Good day, everybody that's joining. We have some people still. Bonjour à toutes et à tous. Je vois des personnes qui continuent à nous rejoindre. Soyez les bienvenus à cette deuxième édition de CESA pour l'enseignement supérieur. Le nombre de participants augmente. Ça me fait plaisir. Je vais inaugurer l'événement de manière officielle. C'est une réunion de Zoom normale, donc vous pouvez parler, vous pouvez allumer votre caméra et bien sûr, nous vous encourageons de silencer votre micro si vous n'êtes pas en train de parler parce que parfois il y a beaucoup de bruit. Je m'appelle Elisabeth Colucci. Je ne vais pas parler trop aujourd'hui, mais je voudrais inaugurer cet événement de manière officielle dans l'initiative de l'harmonisation, l'accréditation et l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique. C'est une initiative de l'Union européenne en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et on soutient ces dialogues appelés CESA Higher Education in Focus. CESA, c'est Continental Education Strategy for Africa. C'est la stratégie pour l'Afrique en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Avant d'avancer, je voudrais tout simplement parler sur quelque chose de technique. Nous avons l'interprétation simultanée. Vous pouvez regarder en bas de votre écran sur Zoom. Vous pouvez voir une icône, une map monde où vous pouvez choisir anglais, français ou portugais. Nous avons choisi ces langues pour essayer d'être le plus inclusif possible dans ces événements dédiés pour l'Afrique parce que nous, bien sûr, nous avons inclus trois, pas toutes les langues malheureusement, mais au moins trois langues du continent africain et des différents groupes. Bien sûr, vous ne devez pas choisir l'interprétation si vous comprenez toutes les langues. Cet événement va être enregistré et l'une des activités aujourd'hui sera des groupes séparés pour discussion et Charmaine vous expliquera. Lorsque vous vous êtes registré pour l'événement, vous avez choisi le groupe dans lequel vous voulez participer. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire dans quelques minutes. Et de cette manière, vous pouvez choisir le sujet de votre choix. Finalement, je voudrais dire que cet événement va être enregistré et les groupes de discussion seront enregistrés aussi. Donc, tout ce contenu sera disponible dans le site web de HAQUA. Je voudrais introduire quelques orateurs qui donneront des paroles d'ouverture. Monsieur Lénine de la Commission européenne, qui a été le défendeur du partenariat de l'AU et de l'Union européenne dans le contexte de cette initiative. Vous avez la parole, Deirdre. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici et nous travaillons pour établir ce partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je voudrais donner la bienvenue à mes collègues de l'Union africaine et mes collègues d'Obreal, bien sûr, et à tous les participants. Je voudrais dire que le sujet aujourd'hui est vraiment très important, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Nous sommes en train de réfléchir en profondeur sur comment l'éducation a été affectée
par la crise et comment on peut penser à la transformation de l'éducation pour construire un meilleur futur. Le rôle de l'enseignement, le rôle du contenu, les capacités qui vont être transmises aux étudiants pendant leurs études. Donc, cela est un problème particulièrement important et ce partenariat avec l'Union africaine et avec les États membres de l'Union africaine, spécialement dans le terrain de l'enseignement supérieur, fait partie de notre agenda ici à 6 ans. Et le financement sera disponible à travers du programme d'Erasmus pour soutenir les initiatives. Et si les universités veulent développer des initiatives, des discussions, et s'ils sont en train de penser à ces initiatives en ce qui concerne ces discussions. Cette initiative soutient l'agenda continental de l'Union africaine et c'est dans ce cadre qu'on a organisé cet événement. Donc, je suis très contente de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Merci. Maintenant, je voudrais donner la parole à Emmanuel Chiguzi, qui vient de la Commission de l'Union européenne et qui est responsable de toutes les initiatives associées à l'enseignement supérieur dans le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Emmanuel, vous avez la parole. Thank you so much, Elizabeth. Merci beaucoup, Elizabeth. Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée, mais la vidéo ne marche pas. Je suis Emmanuel Okonkwo et je suis avec la division d'éducation de la Commission d'éducation de l'Union africaine. Je dirige la division d'enseignement supérieur et Mr. Han Bashileni travaille avec moi. Je suis vraiment très content de participer de cet événement et des discussions qui vont se passer dans le cadre de cet événement. La COVID-19 nous a forcés à adopter un nouveau paradigme et une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de mettre en place les politiques d'éducation. Tout d'abord, la COVID-19 a été une crise de santé. Et comme partie prenante de l'éducation, nous pouvons bien sûr raconter tous les effets que la COVID-19 a eu, spécialement en Afrique. Mais la discussion d'aujourd'hui, c'est de préparer les étudiants pour un nouveau monde qui est complexe, et de penser à la fluidité et dans un moment où les institutions sont en train d'imaginer une nouvelle manière d'enseigner aux étudiants. Et les étudiants pensent à des nouvelles manières d'apprendre. Le développement du plan d'études inclut, bien sûr, tous les défis du présent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de penser déjà à la fluidité des études, mais c'est aussi important de souligner les efforts dédiés à l'éducation et à toutes ces nouvelles initiatives dans le contexte de la pandémie. La COVID-19, tout d'abord, est un problème de santé publique dans les États membres et nous avons vu l'importance de coordonner une réponse conjointe. Et c'est à cause de ça que l'année dernière, notre secteur d'éducation a répondu à ces défis et dans un cadre normatif qui établit, par exemple, la nécessité de la connectivité des écoles. Les écoles doivent être connectées à l'Internet et doivent avoir la possibilité de donner de l'accès à l'Internet pour toutes et pour tous. L'apprentissage en ligne, bien sûr, transmet de contenus à travers les podcasts et différents outils pour mitiguer les défis auxquels on fait face aujourd'hui.
nous avons identifié que les professeurs doivent apprendre à utiliser les différentes formes de technologie et motiver, encourager les étudiants. Bien sûr, aussi, l'éducation traditionnelle et l'utilisation de l'Internet se concentre sur des différents aspects. Nous devons aussi penser à l'apprentissage dans le sens du plan d'études qui a été présenté et un abordage holistique pour combiner les approches numériques, les capacités pour les différentes nécessités du marché du travail, pour vraiment faire face aux défis du marché et du marché de travail aujourd'hui. Je pense que l'Afrique va pouvoir se transformer pour faire face aux défis du futur. Je pense que nous allons apprendre beaucoup de nos orateurs aujourd'hui. Mais avant de finaliser, je voudrais remercier à nos partenaires de l'Union européenne, d'Obreal et des différentes institutions parce qu'ils ont vraiment nous donner du soutien dans cette série sur l'enseignement supérieur. Merci, Elisabeth. Merci, Emmanuel. Et merci d'avoir partagé ce cadre si important. Je voudrais maintenant donner la parole à l'Association d'universités africaines. Ce n'est pas seulement un partenaire de l'initiative HAKWA 2, mais aussi ils sont coordonnateurs du cluster CESA 2. Prof. Healy, le secrétaire général, est avec nous aujourd'hui. Oui, je suis professeur Etienne Healy, le secrétaire général de l'Association of African Universities. C'est vraiment un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette session et cette série de webinaires dans le contexte de CESA et le projet HAKWA 2. Nous sommes très contents avec l'implémentation des projets dans le cadre de HAKWA 2 et dans le contexte de CESA. C'est pour cela que la présence de l'Union européenne dans ce forum est très importante et je vous souhaite une discussion très fructifère dans cette séance plénière et dans les groupes de discussion. Merci. Merci. Merci beaucoup, Étienne. Nous vous remercions, bien sûr, et nous sommes toujours très satisfaits avec la relation fructifère avec l'Union européenne et les universités africaines. En ce moment, je voudrais donner la parole à notre président, à la présidente de la discussion aujourd'hui, et qui sera l'animatrice. Elle est la doyenne de l'université de la Namibie. Elle aussi coordonne une sous-cluster sur le plan d'études. C'est la structure de CESA est complexe, mais l'implémentation est divisée dans des clusters. Et l'un de ces clusters se concentre sur l'enseignement supérieur. Donc, il y a quelques coordonnateurs des clusters d'enseignement supérieur. Et Charmaine fait partie de ce programme et elle va présenter sur cela aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que le point commun de tous ces dialogues que nous avons organisés, c'est vraiment le concept d'avoir une meilleure qualité de données pour l'éducation en Afrique. Nous utilisons ces dialogues pour vraiment contribuer au processus pour établir une unité de politique pour les données. Et le but de cette initiative, c'est de ramasser des données plus précises dans le cadre de l'enseignement supérieur.
Nous avons pensé que c'était important d'explorer des différents sujets qui font partie de cette stratégie et aussi de voir comment ces données sont ramassées et comment le processus peut améliorer. Vous aurez l'opportunité d'en discuter dans les groupes de discussion. Eh bien, je voudrais donner la parole à Charmaine qui va vous présenter la structure de la discussion aujourd'hui. Charmaine, vous avez la parole. Merci, Elisabeth, et merci à tous les orateurs et merci de votre soutien, bien sûr. J'ai vu que Jonathan était ici, Jonathan Bach. Je ne sais pas s'il voudrait peut-être dire quelque chose avant de présenter à notre orateur principal. Est-ce que c'est possible? Merci, merci, Charmaine. Merci, Charmaine. Merci de m'avoir donné la parole. Mon supérieur a déjà parlé, mais je suis aussi content de participer de cette initiative et les participants aujourd'hui sont vraiment des participants très intéressants pour avoir une discussion fructifère. Nous sommes très contents de continuer avec ces discussions, ce dialogue, et j'espère que nous pourrons continuer à avoir ces discussions si intéressantes. Et ce sera intéressant de voir comment on peut obtenir des données concrètes sur la base des discussions d'aujourd'hui pour les transformer en politique dans l'avenir. Encore une fois, je vous souhaite une discussion fructifère. Merci beaucoup. As everybody has already indicated, this event is focused on preparing higher education. Comme on l'avait dit, l'idée c'est de préparer les étudiants pour le monde plus complexe, de voir comment le monde post-COVID ça se passe. Et pour cet événement, on a un collègue qui va faire une présentation sur ces sujets pendant les prochains 40-45 minutes. Alors, je vais faire sa présentation dans une minute. Je voulais tout d'abord vous partager la structure. Il y aura la session plénière où il y aura la présentation. Après ça, il y aura une opportunité pour des commentaires. Vous pouvez écrire vos commentaires sur le chat si vous préférez, parce que sinon, il n'y aura pas trop de temps après la présentation. Mais là, vous aurez la possibilité de faire de la discussion dans les groupes plus petits, la discussion en groupe que va se passer après la présentation. En bas de vos écrans, vous allez voir qu'il y a un bouton pour les sessions séparées. Il y aura 4 sessions séparées. La première va continuer ici, sur la plénière. Ce sera le groupe 1. Après ça, il y aura les groupes 2, 3 et 4. Il faudra choisir les boutons. Il faudra cliquer sur le bouton en bas de vos écrans pour choisir votre groupe. Il y a aussi les sujets, les thèmes de ces sessions, de ces discussions, pour que vous puissiez savoir quelle discussion vous préférez. Alors, vous pouvez cliquer là et ça vous amènera automatiquement vers ces groupes. Maintenant, alors, je vais présenter l'orateur pour aujourd'hui, professeur Paul Hanstedt, le directeur du Centre de Houston pour l'apprentissage et l'enseignement à Washington, à Virginie, aux États-Unis. Il a travaillé avec des universités de différents continents pour faire de l'innovation et il a
aussi aider l'Université de Hong Kong pour passer d'un modèle de 3 ans vers un modèle de 4 ans pour l'enseignement. Il a écrit plusieurs de livres, les essentiels de l'éducation, aider les étudiants, et aussi un livre sur Hong Kong. Je m'excuse, il y a des micros qui sont ouverts en même temps. Alors, Paul fera une présentation aujourd'hui. J'espère que vous allez vous bénéficier de sa présentation. Vous avez la parole, Paul. Merci, professeur Villiers. Et je remercie toutes les organisations pour cette invitation pour parler à toute cette communauté aujourd'hui. Comme la professeure Villiers a mentionné, j'ai écrit et je voyage. Je suis un écrivain voyageur et c'est la première fois que, j'ai voyagé. Je suis allée au Malawi et en Tanzanie et en Afrique. Et alors, mes collègues de là, c'est très important de vous avoir ici. C'est très important pour moi de vous voir tous ici parce que ça me donne des souvenirs très chers à moi. Alors, je remercie la commission pour cette invitation. Je suis aujourd'hui à Virginia, sur mon bureau, mais cette image que vous voyez derrière moi, je ne sais pas trop d'où est-ce que je l'ai pris. Comme vous tous, on est en train de travailler de chez nous, mais en même temps lié avec la communauté académique. Alors, le titre de ma présentation, où je voudrais commencer, c'est plutôt pour commencer à vous partager ces idées avec vous. La pauvreté, la migration, le changement climatique, l'insécurité alimentaire et l'éducation. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces 5 mots? Pour les académiques, ça serait très facile d'avoir des réponses à cette question. La plupart des gens diraient que les premières 4 sont des problèmes. Ce sont des problèmes qu'on essaye de résoudre. Mais quand on lit le cinquième, l'éducation, pour nous, l'éducation, c'est une solution plutôt qu'un problème. Mais je voudrais élargir sur ces concepts. À mon avis, ce qu'il y a en commun, c'est qu'ils sont liés à un problème. C'est un problème difficile ou un problème méchant, coquin. Quand je travaillais avec d'autres professeurs à l'Université de Hong Kong des technologies, les du domaine des... Je m'excuse, il y a des bruits et la connexion est un peu brisée. Les dynamiques changeaient constamment. Il y a des fois où la situation est très fluide, mais en même temps, il y a des solutions qui auraient pu être trouvées avant de commencer. Et c'est pour ça que des fois, l'information n'est pas complète, alors on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Et il y a des points de vue compétitifs, c'est-à-dire on trouve dans le monde, mais pas d'accord. C'est quoi les problèmes? Alors, les problèmes... doivent être résolus. Généralement, vont venir des différents domaines. Si on pense alors à nouveau à ces 5 mots que j'avais mentionnés, la pauvreté, la migration, le changement climatique, c'est qu'il y a un commun entre eux, une partie de cette conversation, c'est que maintenant on est face à un problème très difficile. Quand je présente cette idée, je sais que c'est difficile de comprendre c'est quoi les problèmes difficiles. Maintenant qu'on a COVID-19,
Ces problèmes, la COVID, ça résiste les solutions qu'on avait trouvées avant. Et il y a la question de comment le faire, comment le résoudre. On continue à essayer de trouver une réponse ou au moins de le comprendre vraiment, de savoir quoi faire. Je voudrais dire que COVID-19, on pourrait les résoudre, ça sera une solution multidisciplinaire. La politique va avoir une partie aussi, l'interaction humaine va avoir une partie, la culture aussi, les langues, l'art aussi. Tout ça aura une partie à jouer là-dedans. C'est pour ça que je voudrais dire que on est à un moment très important dans la COVID-19. On a un peu plus de clarité de la complexité de ce problème dans le monde. C'est pour ça que je voulais dire. On vit dans un monde complexe, dans un monde difficile, où plusieurs fois, les problèmes qu'on a auront une perspective difficile aussi. C'est à cause de la nature, des problèmes, des fois, ou c'est parce que sinon, on étudie une chose et puis il faut une autre chose pour le résoudre. Les lieux de travail changent constamment aussi. Il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles communautés, des interactions de différentes personnes dans différents contextes. On habite un monde complexe, ça c'est vrai. Et c'est pour ça. S'il y a Mes étudiants ont dit ça aussi. Il faut alors des étudiants coquins aussi pour savoir comment résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quand on finit l'université, les étudiants sont ouverts à de nouveaux défis, de nouveaux problèmes. Et c'est nécessaire qu'ils ne paniquent pas quand ils voient les nouveaux problèmes. Et il faut répondre, mais répondre sans penser avant, ça ne va pas nous aider. Il y a une combinaison de courage et d'humilité aussi. C'est l'idée qu'il faut reconnaître qu'on ne comprend pas trop, c'est-à-dire on peut faire de l'exploration, on peut parler avec d'autres ressources, d'autres communautés pour essayer de comprendre un peu plus, mais avec de l'humilité. Et aussi, il faut avoir des idées ou des opinions de multiples domaines et il faut ne pas craindre de faire des erreurs. Ça ne va pas marcher depuis la première fois. Il y aura des erreurs, il y aura plusieurs des erreurs. Il y a des collègues qui étudient la chimie et ils disent que 95% de fois, il y a des erreurs. Mais chaque erreur les amène plus proche de trouver une solution. Ça fait partie du chemin. Et puis, l'habilité d'essayer à nouveau, même si on a fracassé avant. Alors, les problèmes, et c'est pour ça que j'ai mis l'éducation sur la liste principale, l'éducation, on parle de problèmes difficiles et puis on parle de problèmes plus faciles. Alors, cette fois, on va dire un problème apprivoisé, on peut l'appeler comme ça aussi. Il y a des problèmes ou les examens ou les contextes qu'on donne aux étudiants, les paramètres sont statiques en général. Quand on donne des problèmes aux étudiants, il y a en général une réponse définie. Et même si on n'a pas cette idée d'une réponse définie, les étudiants croient qu'on a une réponse, que c'est la réponse correcte. Et il faut savoir qu'il y a multiples façons d'explorer et de faire une approche vers les problèmes. La mémorisation d'une réponse, ça suffit pour qu'un problème soit
pour pouvoir résoudre un problème. Ça se passait dans le passé à Hong Kong, où les étudiants étaient parfaits pour résoudre un problème concret. Mais quand ils partaient, quand ils finissaient l'université, ils étaient complètement perdus. Alors, je suis maintenant, je pense à ces mondes. Je lis, je continue à faire des recherches. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est d'explorer avec vous comment les problèmes peuvent se passer dans le contexte de l'université actuelle. Le niveau des projets, les examens même qu'on donne aux étudiants et voir qu'est-ce qu'il faut faire actuellement. Quand on pense aux tâches, à la tâche qu'on donne aux étudiants aujourd'hui, en général, on fait des suppositions de quelles sont les réponses qu'ils vont nous donner, des réponses correctes et incorrectes. C'est pour ça que maintenant, on fait des suppositions aussi de c'est qui plus expert, de quelle personne est plus experte que l'autre. Et je crois que maintenant, il faudrait faire un peu plus de mélange avec tout ça et placer les étudiants à une position où ils puissent participer beaucoup plus et jouer avec des diagrammes un peu plus fluides, pas statiques. Alors, ça dit, évaluer. This is, by the way, the prompt to the students. This is what the students are being asked. C'est un problème qu'on pourrait donner aux étudiants. Il faudrait qu'ils choisissent une région. Il n'y a pas un domaine d'expertise en particulier. Ils peuvent choisir les États-Unis, ils peuvent choisir l'Afrique de l'Est, ils peuvent choisir Russian Far East. La Russie. Alors, il faut qu'ils choisissent une région et qu'ils deviennent experts sur cette région. Et puis, on leur demande de penser à une réponse basée sur des critères, mais avec des différents domaines qui sont en conflit. Par exemple, des facteurs culturels, environnementaux, économiques, sociaux, ce sont des aspects conflictifs. Et on a un autre exemple ici qu'on peut prendre, l'art, pour créer un mural pour une communauté en particulier. Quand on parle avec des étudiants d'art, en général, les étudiants sont en contact avec des contextes plus complexes. Il faut qu'ils pensent comment l'art peut interagir avec la communauté. Il faut qu'ils pensent qu'est-ce que l'art peut faire pour la communauté et avoir des idées de la communauté aussi. Penser la partie mathématique, c'est-à-dire les budgets. Et ce que j'aime de cette tâche, c'est que on peut le donner la première année de l'université. Les étudiants, alors, ne vont pas penser que l'art est seulement une partie artistique. Ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont liés là-dedans. Un autre exemple du domaine de la littérature. Pensez à trois poèmes qui aident à un moment difficile dans la famille. Mais les poèmes ne peuvent pas être sur la mort, ne peuvent pas parler de la mort. Alors, en général, il faut penser dans ces pas seulement sur les contextes généraux de ce que ça veut dire, la mort, mais dans d'autres contextes. Si on pense à un problème, à un poème, il faut penser alors à la partie théorique, la partie sous-jacente du chagrin, de la douleur en général, pour pouvoir prendre des idées ou des méthodologies d'autres domaines pour l'amener vers ces domaines ici. C'est très important de demander aux étudiants d'analyser la problématique pour qu'ils continuent à faire le travail qu'il faut faire dans la littérature. Alors, ils continuent à faire son travail, le travail de la biologie, de la littérature, de l'art, mais ils le font pour une audience, pour une communauté différente. Les étudiants qui nous écrivent,
il y a une dynamique où ils sont là et nous, les profs, nous sommes ici. Ça veut dire que eux, ils savent que nous, nous représentons la connaissance, la capacité et l'expertise. Mais maintenant, eux, ils vont prendre notre rôle parce qu'ils travaillent avec des communautés qui sont plus bas, un peu plus bas qu'eux. Alors, ils assument la responsabilité de ce qu'ils font et je crois que ça, c'est très important pour devenir un citoyen responsable dans le monde. On ne peut pas donner la responsabilité toujours aux autres personnes. Un exemple de la psychologie évolutionnaire, imaginez les médias sociaux. Et que ça continue exactement comme c'est. OK, il ne donne pas le temps de lire tout ce qui est sur l'écran. Comment est-ce que le cerveau va changer, va s'adapter d'ici vers le futur? Les points, ce n'est pas qu'un étudiant mémorise tout. Les problèmes, c'est de voir quels sont les nouveaux problèmes qui arrivent. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'expertise de notre domaine pour l'appliquer dans d'autres domaines. Il y a 5 réponses qui peuvent être correctes et avec la littérature, on peut arriver à une réponse correcte. Avec les statistiques aussi, avec la physique, on peut arriver vers des réponses correctes. L'idée, c'est comment aborder tout ça. Et on voudrait voir. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser la méthodologie et l'appliquer quand on aborde un problème qui n'a pas été reçu auparavant? C'est pour ça que si on va donner des examens et des projets plus difficiles aux étudiants, on va changer les règles de l'éducation. L'éducation avant, ça, c'était principalement de mémoriser tout. Maintenant, il faut leur donner la possibilité de penser d'une nouvelle façon. Il faut leur donner la possibilité de pratiquer avec des problèmes plus difficiles, de le répéter, d'avoir de plus en plus d'indépendance et de pouvoir agir et avoir la responsabilité et aussi d'avoir des contextes où ils puissent avoir des erreurs, faire des erreurs, comme on avait dit avant. Spaces in the classroom for failure. I was at an institution about 5-8 years ago where what you would find is almost in every class, in every field, they would require 3,000 word papers. Dans tous les domaines, il y aurait beaucoup de nécessité pour le projet final. Et en général, ces documents étaient 70% des nécessités pour passer l'examen. Donc, quand les conséquences sont si hautes, peut-être les étudiants vont choisir peut-être l'option la plus sûre. Donc, l'idée, c'est de repenser le processus. Moi, j'aime bien les situations qui n'ont pas des notes nécessairement ou qui ont un minimum de cela ou une quantité proportionnelle. L'idée de cela, c'est que tout d'abord, ce n'est pas si important, mais au fur et à mesure que le processus avance, cela avance aussi. Dans les géosciences, nous avons un premier exemple et ils doivent obtenir une conclusion unique et cela représente 5%. Dans un point moyen, ce sont 2 ou 3 possibles conclusions, 10%. Et à la fin, 15% avec des conclusions, avec plusieurs conclusions. Donc, ils doivent apprendre plus et donc appliquer leurs capacités d'une manière plus complexe aussi. Ça, c'est quelque chose de très simple qu'on peut faire. C'est le problème de lundi matin. Donc, une fois à la semaine, nous venons à la classe et nous présentons un problème compliqué. Mais pas seulement de trouver une solution, mais 3
solutions différentes à ce problème. Et ça, c'est très important parce que les étudiants vont essayer, bien sûr, d'avoir des plans, un plan A, un plan B, un plan C. Donc, on peut penser à ce processus de cette manière. On met toutes les solutions en commun et puis on discute ensemble. Donc, ça, c'est une manière de penser à cette approche dans le sens qu'il n'y a pas une seule réponse ou une réponse définitive à tous les problèmes. On peut faire ça dans tous les terrains, les sciences politiques, etc. Dans la classe de littérature, en général, ils doivent écrire des papers ou des essais. Donc, ça, c'est un exercice qu'on fait dans la classe de littérature. C'est d'écrire un essai très court, bien sûr, en collaboration avec les autres personnes, qui est une capacité complexe. Mais ils peuvent essayer beaucoup de fois d'écrire ces essais. Et ça n'a pas beaucoup de conséquences, oui. Donc, si on veut continuer avec ce processus, nous devons expliquer aux étudiants pourquoi on fait tout cela. Tout d'abord, on peut tout simplement leur dire, leur expliquer pourquoi on le fait. Et j'aime bien que le but de ce processus, c'est de créer des données utiles parce qu'aux États-Unis, nous avons une association de collèges et universités américaines. Et peut-être si on pense au but de ces institutions, on peut penser à ces réponses, par exemple, à gauche, vous voyez que il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec la collaboration, avec la capacité de démontrer, une capacité de résoudre des problèmes. C'est facile de résoudre un problème sans considérer l'aspect éthique, mais ce n'est pas le but du processus. On veut inclure l'aspect éthique. Donc, la compréhension simplistique du monde n'est pas le but ici. Puis, on peut dire et expliquer aux étudiants, mais ce n'est pas si effectif que de leur montrer ce que nous avons fait avec nos problèmes difficiles ou nos problèmes torves. Et il y a beaucoup d'idées que nous pouvons mettre en place, des bourses, des possibilités de faire des pratiques de travail. Les étudiants, même quand ils sont en train de travailler, je ne sais pas, avec des laboratoires, avec la chimie, ils travaillent de différentes manières, mais peut-être même ces étudiants doivent utiliser des statistiques présentées par les étudiants des sciences politiques. Et cela leur permet de voir que la simplicité que parfois ils pensent qu'ils doivent appliquer au processus est en réalité plus compliquée. Aussi, d'inviter les personnes qui ont déjà obtenu leur degré pour qu'ils puissent parler de leur expérience dans le monde réel. Il y a des autres manières de penser à éliminer cette ligne entre le monde difficile et nos universités, parce que nous avons ces classes, bien sûr, où nous devons faire quelque chose. Mais si on va penser à des autres manières, au niveau du plan d'études, pensons aux polytechniques de Worcester aux États-Unis. Les étudiants doivent travailler avec leur professeur et commencer à travailler avec un problème réel du monde réel et penser à une réponse et à une solution du monde réel. Et ils doivent penser seulement à ce problème. Et cela fait partie, je pense, que de 3 ou 4 classes. Et donc, dans la dernière année de leur programme d'études, ils font la même chose. Donc, ce qu'il fait, c'est diviser le trimestre dans seulement 2 ou 3 modules. Et cela comprend
tout ce processus. Dans les Pays-Bas, ils utilisent ces problèmes difficiles pour avancer avec les plans d'études. Et les étudiants doivent collaborer entre eux les 3 ans de leur études. Par exemple, le problème des réfugiés ou bien le problème de la durabilité des quartiers, par exemple. Comment altérer l'ADN des personnes, par exemple, dans le terrain de la génétique. Et la dernière, j'aime bien, durabilité et la société civile en mare. Oui, donc ce n'est pas des problèmes auxquels on trouve une solution immédiatement. Mais cela comprend des problèmes de la vie. And of course, all of this raises questions that actually dramatically revise the entire university. Et la question est si cette manière de penser aux universités, c'est la manière de repenser les universités difficiles. À Hong Kong, ils ont fait une enquête entre les employeurs de la région. Et vous devez tenir en compte, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de l'agriculture à Hong Kong, c'est seulement des services. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les employeurs n'étaient pas satisfaits avec les étudiants des universités de Hong Kong. Ils ont répondu très bien aux examens, mais pas beaucoup à résoudre des problèmes complexes. Donc, ils ont changé le système universitaire complètement. Dans 8 universités, ils ont changé les années. 3 ans sont devenus 4 ans d'études. Et ils se concentraient dans un sujet spécifique. Peut-être je vais étudier la littérature, mais je vais apprendre beaucoup de choses sur la science. Finalement, cela devrait faire partie des 4 ans de manière compréhensive. Donc, ce n'était pas, bon, je fais ça la première année, après je me concentre sur ce qui est important. Non, cela faisait partie de tout le processus éducatif. Et donc, de cette manière, ils ont pu repenser l'éducation à Hong Kong. Et c'est important de mentionner qu'aux États-Unis, pour l'éducation générale, on parle sur les liberal arts et c'est la personne qui peut obtenir la liberté à travers les arts. C'est l'origine de cette désignation. Donc, on peut être libre seulement lorsqu'on peut penser et dehors cette petite boîte. Et la Chine aussi a avancé et a implémenté une politique similaire à celle de Hong Kong. Mais il y a une reconnaissance du fait que si les personnes peuvent obtenir l'éducation, ils n'obtiennent pas seulement des capacités, mais ils peuvent vraiment trouver une nouvelle manière de penser aux défis du monde. C'est très difficile et bien sûr que lorsque le gouvernement est autoritaire, c'est encore plus difficile. Donc, comment est-ce que notre monde va changer avec cela? Moi, je suis dans l'enseignement supérieur depuis 30 ans, donc peut-être moins de conférences et plus de guides, peut-être pas juger, mais au lieu de juger, on doit faire un peu plus de coaching ou peut-être plus de commentaires, plus de feedback. Ce n'est pas seulement moi en ce moment qui va déterminer ce qu'on va apprendre, mais peut-être une abordage où on peut déterminer cela ensemble. Et quelles sont les nécessités pour obtenir le degré ou peut-être quelle est la voie
des professeurs dans cela? Si les étudiants vont avoir une voix plus forte, est-ce qu'on peut avoir une situation comme cela où c'est, cette responsabilité est partagée dans le sens de l'administration, de l'expérimentation, les risques, quelles sont les évaluations des professeurs? Et si on va demander aux professeurs de changer la manière dans laquelle ils fonctionnent avec leurs étudiants, on peut penser que peut-être c'est que on doit changer les expectatives. Donc, cela peut déranger à quelques professeurs. Donc, nous devons réévaluer tous ces aspects. Mais j'ai travaillé avec beaucoup d'universités et à ce point-là, je pense que on doit nous concentrer dans un aspect fondamental parce que si nous savons que les politiques universitaires sont compliquées, nous savons aussi qu'il y a des collègues qui sont en train de penser et repenser leur relation avec l'enseignement et avec les étudiants. Mais le sujet central de tout cela, ce sont les étudiants. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où les étudiants peuvent vraiment participer de la, du design de l'éducation, de la, peut-être dans des courses pratiques, peut-être dans de différentes manières, mais comment est-ce qu'on peut changer cette responsabilité chez les étudiants? De quelle manière nous pouvons demander aux étudiants de créer quelque chose, de créer quoi dans tous les terrains? Comment est-ce qu'on peut demander aux étudiants de connecter des idées, de penser à l'information, pas dans des différentes parties, mais comme un tout? Dans un monde où l'information peut être ramassée très rapidement, comment est-ce qu'on peut trouver ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le fait de l'éducation soit vraiment significatif? Finalement, comment est-ce qu'on fait en sorte que cela puisse s'appliquer à tous les étudiants? Parce que c'est très facile de penser à un plan d'études qui marche pour quelques étudiants, mais on doit penser comment cela pourra s'appliquer à tous les étudiants. Finalement, nos étudiants vont rentrer dans un monde très compliqué, très torve. Donc, ils doivent reconnaître que ce n'est pas possible d'accepter le monde comme il est aujourd'hui. Et les structures éducatives ne sont pas au niveau des complexités du monde. Finalement, nous pouvons changer tout cela et nous devons le changer. La COVID-19 nous a donné une opportunité très unique de pouvoir le faire. Nous avons changé la manière dans laquelle nous enseignons. Nous avons dû repenser les besoins des étudiants, pas seulement dans le sens de l'information qu'ils reçoivent, mais aussi dans leur sensibilisation. Nous avons dû aussi repenser le contenu. Je ne peux pas faire la même chose de manière virtuelle ou de manière en ligne. Donc, quelle est l'information qui est vraiment importante? Comment est-ce que je vais évaluer cette information? Tout cela fait partie de nos défis. Lorsqu'on pense à la neuroscience, nous savons que quand nous sommes très jeunes, nos cerveaux peuvent être modifiés très facilement. Mais c'est vrai aussi que notre profession est en train de changer et tout cela peut continuer à changer. Et maintenant, si nous pensons à la tradition, nous perdons la capacité de modifier nos habitudes. Et ces habitudes ne sont pas toutes les fois les meilleures habitudes. Donc, nous devons penser à l'avenir avec tous ces sujets qui doivent être tenus en compte. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre patience. Et maintenant, je donnerai la parole à professeur Villiers. Merci.
Thank you, Paul. Merci, Paul, de cette présentation qui a été si intéressante. Merci beaucoup de votre présentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être si vous avez des commentaires ou des questions, on peut avoir 10 minutes peut-être pour des questions. Vous pouvez lever la main et cela, vous le trouverez en bas de votre écran. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main, bien sûr, et je vous donnerai la parole. Je ne vois pas. Oui, ah, je vois deux mains qui ont été levées. Est-ce que peut-être Paul Ajouan peut prendre la parole? J'espère d'avoir dit votre nom correctement. Paul, si vous voulez allumer votre micro, allez-y. Paul Ajouan, s'il vous plaît, si vous pouvez allumer votre micro. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Allez-y. Merci beaucoup. Cette présentation a été vraiment très intéressante, mais je continue à penser à toutes ces discussions et les agendas, les plans d'études que nous avons ici en Afrique, dans le continent. Et je peux observer, malheureusement, que dans toutes nos initiatives, il y a une partie très grande d'étudiants dans les campus de l'Afrique. Qui sont une invalidité. Et ces étudiants avec une invalidité ne sont pas considérés dans les plans d'études. Ils sont marginalisés. Les professeurs et les étudiants invalides n'ont pas les mêmes possibilités. Et dans le contexte de la COVID-19, ce sera encore plus difficile d'être au niveau et de vraiment pouvoir accéder et pour donner des possibilités à nos étudiants incapacités. Et je me demande quand est-ce que les organisations régionales vont commencer à penser d'une manière sérieuse à comment on peut inclure ces étudiants et pourquoi nous avons marginalisé 20% des étudiants avec des différentes formes d'invalidité. Ça, c'est ma question. Merci, Paul. Je ne sais pas si on pourrait répondre à ça, mais on va prendre d'autres questions avant. Robert, on va essayer de faire une participation assez, Paul, this is just assez précise et bref. OK, c'est simplement une question pour Paul. I can see your background now. In terms of ability to perform, tu parles de l'habilité des étudiants qui sont en train de se diplômer des universités aux États-Unis, en Afrique, n'importe où dans le monde. Qu'est-ce que vous croyez que c'est la différence principale dans le point de vue de la... je n'ai pas compris la question et prof Paul est en train de redemander. S'il y a deux étudiants qui un étudie l'ingénierie et aux États-Unis, qu'est-ce que vous croyez qui est
la partie, le concept de professeur, la partie difficile du monde. Qu'est-ce qu'on fait mal en Afrique? Qu'est-ce qu'on fait mal pour faire que les étudiants ne fonctionnent pas assez bien après être diplômés? Un instant, s'il vous plaît, peut-être, parce qu'il y a deux personnes qui voudraient prendre la parole aussi. Alors, peut-être vous pourrez prendre note de toutes les questions. On va donner la parole maintenant à lui, à Adekola. Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Louis Adekola. Je voulais simplement dire que c'était une présentation excellente. Alors, merci de le partager, prof. Je crois... J'ai fait un master en Niger et un master en éducation, mais je crois que les problèmes qu'on a maintenant en Afrique, les problèmes sont très difficiles, sont très complexes. Mais si on continue à penser qu'ils sont très complexes et on ne peut pas prendre des actions sur ça, on ne va pas le résoudre. Je crois que ça, cette présentation nous a encouragés à prendre une action, et d'être des zéros, devenir des zéros dans l'éducation de nos pays. Alors, merci de cette présentation. Et des étudiants, aux professeurs, aux universités, il faudrait commencer à penser quelle est la possibilité ou la façon, l'action à prendre. On ne peut pas assumer que dans le futur, ça pourrait se résoudre toute seule. Ce n'est pas une question, à vrai dire, je voulais simplement faire ce commentaire. Merci, Louis. Et finalement, Olivia Mogadou, vous pouvez prendre la parole. Merci. Je m'appelle Olivia. Je suis du Conseil de l'éducation en Afrique. Monsieur Paul, merci beaucoup pour cette présentation qui nous a fait penser beaucoup. Ma question est, les universités sont des organisations complexes. Et dans la plupart, ce sont des organisations très conservatives aussi. Alors, qu'est-ce que vous croyez, comment est-ce qu'on pourrait faire un changement de la pensée? Et comment est-ce que, au-delà de contenu, des plans d'études, comment est-ce qu'on peut changer la mentalité? Il y a quelques disciplines où il sera plus facile de faire un changement, mais comment est-ce qu'on peut faire que les institutions de l'éducation supérieure changent leur style? Merci. Je vais alors laisser Andrew poser une autre question. Et puis, les autres personnes qui ont des questions, vous pouvez les écrire, questions ou commentaires, vous pouvez les écrire sur le chat pour que le professeur Paul puisse... Je m'excuse, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Oui, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent poser des questions, mais par restriction des temps, il n'y aura pas trop de temps. Si vous pouvez faire la question Ils sont en train de parler en même temps, je m'excuse. OK, merci. Je m'appelle Momo Yakubu. J'ai fait des études à l'université et de toutes les choses que vous avez mentionnées, professeur, j'aimerais avoir un plan d'études qui se concentre sur les étudiants. Mais on ne prépare pas les étudiants pour le monde difficile et je crois que si on ne le fait pas, ils ne seront pas préparés pour un contexte mondial comme il faut. Dans les universités, les gouvernements en Afrique et les universités font que ce soit très difficile de faire ces changements. Dans mon pays, par exemple, il y a des grèves, il y a plusieurs grèves. Beaucoup de temps et c'est difficile.
alors que les gouvernements et les universités puissent se concentrer dans les sujets qu'il faudrait pour résoudre les problèmes. C'est pour ça que je me demande comment est-ce qu'on pourrait organiser un plan qui puisse nous aider ou aider les étudiants. Les étudiants sont très intelligents, on le sait, mais ils ne sont pas exposés aux solutions difficiles pour le monde difficile qu'il faudrait. OK, alors on va permettre d'autres questions et puis quelques minutes pour répondre, Paul. Andrew, merci pour votre présentation. J'ai une question. Comment est-ce qu'on peut développer des plans d'études en tant que professeur pour des étudiants avec des différentes capacités d'apprentissage? Il y a des étudiants qui apprennent de façon plus lentement. Alors, comment est-ce qu'on peut les adapter, ces plans d'études, pour des étudiants avec des différentes capacités? Et finalement, Dr. Brigitte, vous avez la parole. Il faut allumer votre micro. Vous êtes silencié. OK. Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole. Je suis Dr. Brigitte de Massachusetts aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé votre présentation et ma question est liée à ce que Olivia avait mentionné, l'université qui est très, très conservative, un espace très conservatif, et qu'il faudrait faire un changement de paradigme. C'est quelque chose dont il faut se concentrer. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut créer cet environnement, cet espace qui puisse donner les étudiants une voix ou des ressources, plus c'est des ressources. Parce que les universités en Afrique et ici, aux États-Unis aussi, ont un système qui est très strict. Et les étudiants ne reçoivent pas les ressources ou l'attention qu'il faut. C'est pour ça que je me demande comment est-ce qu'on peut donner une voix, un espace aux étudiants pour qu'ils pensent pour eux-mêmes et qu'ils ne répètent pas tout ce qu'on les enseigne simplement. Et comment est-ce qu'on peut changer les plans d'études aussi, spécialement en Afrique, pour qu'ils aborde les nécessités de développement de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Alors, Paul, je vous donne la parole. OK, combien de temps est-ce que j'ai? 5 minutes. OK, ça va être difficile en 5 minutes. OK, on va faire, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de vous donner des réponses très brèves. Et après ça, on va faire une division pour travailler avec des groupes séparés et plus petits. Alors, la question de Robert, la différence entre les étudiants africains et américains. Il y a des collègues ici de l'Amérique. Je crois qu'il y a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. On a des étudiants qui pense que l'éducation, c'est mémoriser les réponses et ce n'est pas ça. Les universités aux États-Unis ont une administration très hiérarchique, je pourrais l'appeler. Il y a la voix de l'université et les voix des étudiants. En général, il y a des organisations qui cause une interférence en lieu d'aider avec ces processus. Alors, je crois qu'il n'y a pas trop de différence. Et puis, je pense à la question de Andrew. Comment est-ce qu'on peut aborder les différents niveaux? Beaucoup de problèmes viennent d'un travail d'un collègue qui penser à choses comme recherche, séminaire, pour des étudiants qui ne sont pas diplômés encore, et c'est pour leur donner la possibilité d'avoir une mentalité plus vaste quand ils seront diplômés, et ça aide à améliorer
ça aide les étudiants qui sont avec de l'excellence de devenir encore mieux. Je crois que ça aide les étudiants de comprendre la partie plus significative de l'éducation. Ce n'est pas simplement de prendre les contenus et que ça semble être inutile. C'est d'aider, comme ça, avec les contenus, ça aide les étudiants qui ont plus de problèmes dans leur éducation. La question d'Olivia, comment est-ce qu'on fait que l'éducation supérieure change? Ça va être difficile et ça va, il faudra faire un travail dans tous les niveaux, que les travailleurs, premièrement, comprennent qu'est-ce qu'il faut, quels sont les problèmes qu'il faut aborder. Si on ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, après, sinon on ne pourrait pas parler avec la partie politique, les gens de gouvernement pour qu'ils nous aident. Il ne faut pas faire éducation seulement une question d'emploi. Il faut aider les étudiants à se développer eux-mêmes aussi. Et puis, l'autre question, ce qu'il faudrait, c'est de faire des petits pas de changement. C'est-à-dire, quand on analyse les problèmes, voir qu'on peut changer dans notre classe et partager les idées avec d'autres collègues, d'autres départements, d'autres pays pour essayer de comprendre et de le partager. On sait à partir du contexte américain qu'il y aura 20% des personnes qui ne vont pas adopter aucun changement et un autre pourcentage qui va résister le changement et puis l'autre 20% qui vont attendre à voir qu'est-ce que le reste fait. Il faut alors communiquer les premières 20% de changement. Les autres personnes vont continuer ou vont prendre l'exemple de ceux qui ont fait le changement premièrement. Et puis la question sur les voix des étudiants que Dr. Brigitte a posée, je ne suis pas sûre s'il y a une réponse courte pour ça. Les voix des étudiants sont très importantes en général. On n'écoute pas les étudiants assez, pas assez. Et je voudrais encourager cette question de partager la vie et les points de vue de qu'est-ce qui se passe après être diplômé, après la vie universitaire, de le partager avec les étudiants. Parce que peut-être ils pensaient qu'il y avait des questions qui étaient très importantes et qui ne le sont pas après, et à l'inverse. J'ai des collègues qui travaillent à l'université et une personne qui travaillait dans le domaine de l'ingénierie et elle ne veut pas embaucher des personnes qui viennent de finir l'université parce qu'ils ne savent pas comment la vie, ça se passe après. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est très important de partager la vie réelle après l'université avec eux avant qu'ils soient diplômés. Je m'excuse d'avoir répondu d'une façon très courte et très rapidement. OK, merci Paul. Maintenant, on va faire la division dans les groupes pour faire la discussion en groupe séparé. Vous avez en bas de vos écrans les boutons pour cliquer et pour aller vers les différents groupes. Thank you. Are we all back? OK, merci. Est-ce qu'on est tous de retour? Okay, so group one is back, group two is back, group okay, four. Group 1, 2, 3 et 4. Et le groupe 4, est-ce que vous êtes de retour? Je ne vous vois pas. Oui, on est là. OK, mais on a commencé un peu plus tard. On n'a pas eu assez de temps. On n'a pas pu tout parler de tout. OK, alors simplement un rappel.
il y a le chat aussi, alors vous pouvez écrire vos commentaires sur le chat. Il y a webinar over and so that they okay, il y a des personnes qui ne sont pas retournées de groupe parce que maintenant on est à 72 participants. OK, alors maintenant très bref, 2 minutes chaque personne qui va faire comme un résumé de ce dont vous avez parlé dans les groupes. Où est-ce qu'il y a la partie la plus positive et quel genre d'informations est-ce qu'il nous faut pour pouvoir penser à de nouvelles politiques pour implémenter sur le domaine de l'éducation? Quel type d'évidence est-ce qu'on a disponible pour nous aider à penser sur tout ça? OK, alors je vais donner la parole au groupe 1. Pamela, tout d'abord. Can you see my screen? Vous pouvez voir mon écran que j'ai partagé? Oui. OK. Let me just do that quickly. Un instant, s'il vous plaît. Just quickly, OK, alors très, très brièvement. OK, so we're just looking at what issues did we agree? Sur quelles questions est-ce que les participants étaient d'accord? A good way to go, Paul. We were very inspired. Je crois que, premièrement, Paul, votre présentation a été très positive et inspiratrice pour nous tous. Les personnes ont parlé déjà de la collaboration qui existe déjà avec d'autres universités. Those partnerships. Il y a une question sur le mot wicked en anglais ou ce qu'il avait dit de difficile. Pas tous les participants étaient d'accord avec ça. La plupart des universités ont un facteur de participation de la communauté. Alors, quand on se pose la question, ce serait comment accélérer ou comment inclure les concepts de wicked ou difficile. Et puis, in place. So there has to be il faut avoir des politiques implémentées parce que sinon les choses deviennent plus difficiles. On sait qu'il y a des personnes qui vont être résistantes à ces politiques, mais les politiques aident beaucoup. For collaboration and partnerships. C'est important d'avoir des parties intéressées pour avoir de la collaboration, des partenariats, savoir avec qui on travaille et en tant qu'université, qui sont les partenaires, un partenariat avec les ministères ou de quels autres domaines, et pouvoir faire qu'ils participent avec les cadres éducative aussi. Il y a eu un parti controversiel aussi, le mot wicked, le mot difficile. Et puis, les cas qu'on a partagés, quelques participants ont dit que ça marchait mieux si un lieu de personnes de cette plateforme qui vont vers l'université, si tout le monde pouvait faire partie de ces dialogues, on pourrait partager beaucoup mieux ce dont on parle dans ces discussions et puis le partager avec les universités. Puis, ils ont donné un cas ou un exemple avec la collaboration de Carnegie, qui est une collaboration actuelle avec les pays africains. Et on a mentionné aussi d'autres choses, comme par exemple qu'il y a déjà des centres d'excellence en Afrique. Il y a des personnes qui ont de l'expérience et de l'expertise déjà. Et on peut commencer alors à partir de ces points pour voir quel autre support ou partenariat on peut ajouter.
Et c'est vrai, comme un participant a dit, qu'il y a des choses excellentes qui sont en train de se passer en Afrique. Alors, d'utiliser ça comme des exemples positifs qui existent déjà en Afrique et que ce ne soit pas quelque chose qui vienne d'ailleurs vers nous, mais nous-mêmes, qu'on peut partager nos idées et nos expériences aussi. Ça, c'est tout ce qu'on a dit. OK, merci. Merci Pamela de groupe 1 pour partager vos idées. Il y a quelque chose que j'ai aimé aussi. Je crois que c'était Olivia qui a parlé de l'assurance de la politique dans son pays, dans ses cas, mais je crois que c'est partout dans le continent. Comment les gens voulaient partager leur plan d'études et comment on peut partager les expériences de l'apprentissage et de l'enseignement à l'université. Alors, on va passer maintenant au groupe 2. Deux minutes, vous aussi, s'il vous plaît. Pamela, tu as organisé un PowerPoint très, très rapidement. C'est incroyable ça. Moi, je ne l'ai pas, alors je vais le faire oralement. J'ai pris des notes simplement. Alors, merci pour tous les commentaires et tout ce qu'on a partagé dans notre groupe, le groupe 2, quand on a parlé des plans d'études. Il y a des choses très intéressantes qui sont et positives qui sont déjà en train de se passer dans le continent. La partie la plus importante ou la partie importante aussi, que les défis qu'on a sur le plan d'études. Alors, les redesign de plan d'études quand on travaille avec les universités et avec les parties intéressées. On a parlé aussi des compétences plutôt que contenu, avoir une mission claire, c'est-à-dire que ce soit clair pour la validation. Mais aussi parler de comment avancer dans ces temps de pandémie en partageant des exemples pratiques, pas seulement les contenus en ligne, mais de se concentrer dans la partie pratique de ce qui arrive de nos jours. Au Kenya, il y a des choses déjà qui arrivent, qui se passent à propos de changements. Qu'est-ce qu'ils font pour que les résultats soient basés sur la partie plus pratique, plus concrète. Et ça donne aux étudiants la possibilité de comprendre mieux quoi faire. Ils sont en train de travailler au Ghana avec la Fondation Carnegie pour faire la formation des professeurs. Ils ont En général, ils ont étudié dans un contexte, dans un système plus colonial. Et alors maintenant, ils sont en train de travailler avec eux pour leur donner une formation plus actuelle. Puis, on a parlé de la transformation des plans d'études. Et comment est-ce que ce serait l'idée l'idée de partager. Ah, je m'excuse, il y a trop de bruit avec d'autres micros ouverts. On a parlé d'autres défis. C'est comment se refaire après tout l'historial colonial qu'on a sur l'éducation et comment se reprendre et comment border l'accréditation et les règles d'accréditation. Et je crois que c'est tout. Ben, j'ai dépassé les deux minutes, je m'excuse. Je crois qu'il faut analyser un peu plus qu'est-ce qui arrive au Kenya, en Ghana, en Namibia, qui sont les pays avec qui on a partagé les groupes numéro 2. Merci, Jen. Alors, on va passer au groupe 3. Thank you very much.
sorry, we... Merci. Unfortunately, we started very late. On a commencé un peu très tard parce qu'on avait des problèmes à rejoindre les groupes. Et c'est pour ça que... On m'a demandé de faire les résumés, mais est-ce qu'un autre collègue peut aussi commencer les résumés? Can you come in, please? Dr. Prof. Ipingi, yes. Ipingi, est-ce que vous pouvez aider avec les résumés de votre groupe? Je crois que vous êtes silencieux. Silencieux, il faut allumer votre micro. Okay, while he's doing that, can we go to group four? And entre-temps, est-ce qu'on peut passer vers groupe 4? Le groupe 4, est-ce que vous pouvez faire votre présentation et puis on revient sur le groupe 3? Oui, merci, Madame Doyen. OK, on a parlé de qu'est-ce qu'il faut faire différemment face à la présentation qu'on a vue de professeur Paul et les suggestions ou les débats qu'on a eus à aborder et à parler de ces recommandations d'apprentissage traditionnel à un nouvel apprentissage. On a dit qu'il fallait et parler de que plus d'étudiants puissent se bénéficier de l'éducation universitaire. On a aussi abordé la question des classes avec beaucoup de gens et l'implémentation des nouvelles idées, comme par exemple les stages. Et on a parlé des classes où il y a plus de 200 étudiants et comment ça c'est difficile. Puis l'éducation en ligne, comment ça est devenu la norme après la COVID-19 et que ça a donné l'exclusion de quelques étudiants aussi qui n'ont pas accès à l'Internet ou aux dispositifs qui puissent se connecter en ligne. Puis on a dit que les étudiants devaient être responsables de ses propres apprentissages, d'écouter leur voix plus, et que l'université soit comme un mentor leur donner du support, de l'appui, et ne pas pour les apprendre, les enseigner tout. Et ça, on a aussi parlé de la mentalité et comment il fallait le changer. Et c'est poser la question aussi de qui devrait décider les plans d'études, les contenus. Et la réponse pourrait être l'idée de Hong Kong, la collaboration avec l'industrie où nos étudiants puissent être employés après et puissent apprendre les contenus et les contextes qui est nécessaire pour l'éducation universitaire. Et finalement, l'idée d'enseigner à partir de l'expérience. Il faut avoir une université qui sache quelle est l'expérience dans les domaines et pas une personne qui vient avec un doctorat, mais qui n'a jamais participé dans les domaines de travail, ça c'est très détaché sinon de la réalité. Et finalement, le dernier point, qu'il faut penser à faire de l'enseignance dans nos propres langues, les langues de chaque pays. Et ça, ce sont les idées principales lors de notre débat en groupe. Merci. Can we get group two? Group three, are you ready? Groupe numéro 3, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Notre groupe a travaillé sur le sujet
de comment préparer les étudiants pour mieux comprendre ou pour mieux se débrouiller dans le monde au-delà des murs des universités. Et en discutant ce sujet, nous avons mentionné quelques points importants. Le premier a été que les étudiants qui comprennent le monde où ils vivent doivent obtenir une éducation avec des opportunités pour que les étudiants puissent voir cette image générale du monde. Parce que parfois, le contenu qu'ils apprennent à l'université, ils ne voient pas une relation avec le monde de ce contenu. Donc, comment vraiment cela peut s'insérer dans cette image plus globale du monde? Nous avons aussi parlé sur un autre point, sur le corps enseignant et comment le corps enseignant doit changer la manière dans laquelle ils enseignent, pas seulement en enseignant le plan d'études ou en incluant des professionnels de l'industrie, mais aussi tous les secteurs privés, le secteur industriel, pour qu'ils puissent vraiment engager dans des discussions avec les étudiants. Un autre exemple de l'Afrique de l'Est décrivait une situation où ils enseignent à travers des situations dehors l'université. Et de cette manière, ils peuvent vraiment participer des discussions et de comprendre vraiment les sujets de l'intégration régionale. Un autre point important, il doit avoir une connexion entre le contenu et les universités. Merci beaucoup. Je pense que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a silencé. Mais je vous demande de, s'il vous plaît, finir parce que les interprètes doivent partir. Merci. Nous avons aussi mentionné le besoin d'avoir une connexion entre le secteur privé et les universités. Le secteur privé doit participer, peut-être à travers des programmes, des investigations pour faire en sorte que les étudiants puissent voir le monde entier. Academic policies in our university. Les politiques académiques aussi dans l'université se concentrent plus en l'apprentissage, mais pas tellement dans la communauté et les liens avec la communauté. This content knowledge is a bit not current. So we need to look at peut-être le contenu parfois n'est pas mis à jour et donc c'est très important de préparer les étudiants dans ce sens et j'espère qu'on en discutera davantage. Nous devons finir la séance. Merci beaucoup, groupe numéro 3. Les séances ont été enregistrées et donc ils seront dans le site web et vous pourrez aussi voir l'enregistrement de toutes les présentations. Paul, si vous pouvez tout simplement prendre 5 minutes pour dire des paroles de finalisation. I don't think I'll need Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai besoin de 5 minutes parce que je pense que la conversation a été vraiment très fructifère et très spécifique aussi. Vraiment au point parce que vous avez mentionné les défis et les problèmes
qui sont présents en ce moment-là. Et je suis très inspirée vraiment par vos discussions et je pense qu'on doit inclure tous ces éléments dans les discussions. Peut-être seulement, je voudrais souligner dans cette conversation, c'est l'idée que quelqu'un a dit, je ne me souviens pas le nom, mais c'est de vraiment commencer avec les points forts, de trouver ces situations où les choses marchent bien, parce que c'est un bon point de départ. Le contexte, bien sûr, est très important. Les institutions sont dans des différents contextes, les différents pays du continent. Mais vous devez penser à cela comme une liste de critères. Et c'est comme une boîte, c'est comme un cadre qui permet aux différentes institutions d'interagir. Et l'idée de pas seulement penser à un seul chemin pour avancer ou à un seul plan, mais vraiment de penser à plusieurs plans. Peut-être il y a un mécanisme qui fonctionne avec les employeurs, hein, qui fonctionne bien avec les étudiants, etc. Donc, les différents plans sont mis en place et de cette manière, vraiment, on peut atteindre des choses très intéressantes. C'est vrai que nous devons changer la manière dans laquelle on enseigne. Si nous voulons que nos étudiants puissent s'engager engager avec le monde d'une manière complexe, nous devons trouver aussi les manières complexes d'enseigner. Comment est-ce qu'on peut inclure cette complexité de la manière la plus correcte possible? Et puis, éviter les réponses simples. Nous devons reconnaître qu'en avançant, chaque pas est important. Et il y a des défis, il y a une grande conversation. C'est une conversation grande, complexe. Et lorsqu'on avance, chaque pas est important. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment inspirée par vos interventions et les discussions. Donc, félicitations, merci beaucoup. Et bien sûr, si je peux vous aider, vous pouvez m'écrire ou me contacter. Merci, Paul. Merci d'avoir présenté ces idées si provocatives. Et merci à toutes et à tous de votre participation. Merci de votre participation, d'avoir partagé vos idées et de trouver des manières d'avancer. Je sais que cette conversation va continuer sans doute. Nos collègues, et avec la Commission de l'Union européenne et aussi les associations des universités. Je sais que tout le monde va continuer avec cette conversation, sans doute, parce que c'est vraiment très important en ce qui concerne l'enseignement supérieur à ce moment-là. Merci, merci beaucoup à tout le monde et j'espère que vous aurez une bonne semaine. Merci, Paul. Au revoir. Thank you. Bye. Au revoir. Thank you, everyone. Bye.